Jour 3. Feu vert. L'aurore boréale excite les loups. En plus des barres chocolatées et du matériel de survie, essayez de trouver des lampes de poche spéciales qui vous aideront à les garder à distance. Pendant l'aurore boréale, une lampe de poche surpuissante peut faire toute la différence. Et nous nous réveillons. Jour 3, feu vert. Oula, on voit rien du tout. Je me rappelle plus où on s'était arrêté. Donc, feu vert. Comme expliqué en début de vidéo, apparemment, il y a des aurores boréales. Alors, je sais pas si elle est constante ou de temps en temps. Vu la couleur, on voit un peu de vert. Je dirais qu'elle est pas tout le temps, pas tout le temps. Par contre, on reprend un peu le même système que les animaux, en fait, ont peur de la lumière. Donc, il faut se défendre. Et il y a des lampes torches à trouver. Alors, je sais pas si les lampes torches, en fait, apparaissent maintenant. Genre, il y a une mise à jour et ils ont rajouté des lampes torches. Mais en tout cas, on n'a pas trouvé, ce qui est un peu bof. En fait. Donc, merde. Pardon. Donc, je sais pas. Donc je sais pas trop. En tout cas, j'ai commencé juste avant que on dépasse les 2 heures, donc on va devoir durer 2 heures. On a encore 2h16 avant le jour 4, parce que je fais ça la nuit après mon live de Fallout 76 en fait. Donc du coup, voilà. Donc on avait fouillé le barrage la dernière fois. Je me demande, est-ce que ça vaut le coup d'y retourner ou pas? Parce que, voilà quoi. Est-ce qu'on devrait y retourner ou pas? Je dirais non. Mais je suis pas sûr. On va garder les livres, parce qu'on va sûrement les lire. Je pense qu'on va descendre. Enfin, honnêtement, j'irais bien au barrage pour refouiller. Mais je pense pas que ça sert à quelque chose, en fait. Que ça serve à quelque chose. On va prendre. Tac, tac. Tac. Ok, on va prendre ça sur nous et je pense qu'on va aller se balader. On va descendre le long de la... Enfin, de la map du lac, en fait. On va descendre le long du lac. Vous voyez ce qu'on va faire? On a des torches, on est à 36 kilos. Ouais, c'est pas mal, 36, ça va. Ça, 48 allumettes, 12, on va prendre les allumettes en bois c'est les meilleures, on va reprendre ça aussi, voilà, je pense qu'on est bien, du coup les outils simples, je crois qu'on en a déjà. Aussi, j'ai vu un commentaire en disant « Je pense que Torres est morte, c'est pour ça que tu ne fais plus de vidéos. » Non, elle est pas morte, Torres est bien encore en vie. C'est juste que j'ai pas vraiment eu le temps d'y jouer. Là, c'est un peu spécial, c'est un événement qui reviendra l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, je serai plus là. Donc, c'est pour ça que je le fais un peu. Je le fais. Je me force pas à le faire, mais on va dire que je le mets en priorité. Alors, on va prendre le sac de couchage avec nous. On va prendre une bouteille d'eau et je crois qu'on va partir. Ah, le sac de couchage, il est lourd. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Bûche calorifique. Désolé, je prends un peu de temps, mais... Mais on va se balader, donc bon. Et vu qu'il fait pas trop froid, on peut dormir dehors. Donc du coup, ça vaut le coup de prendre... Ça vaut le coup de prendre un sac de couchage. Alors on y va. On va peut-être déposer la bûche calorifique. Et prendre ça. C'est pareil en fait. Tu fais chier ce sac de couchage.
Autant tout prendre. Oh mon dieu. Ah, je sais pas. Ah, c'est pour ça que j'aime pas jouer en autre que intrus. Parce qu'il y a tellement de choses à prendre, je sais pas quoi prendre à chaque fois. Faudrait descendre en dessous des 40 kilos, mais je vois pas trop comment faire ça. Parce que là, on déplace notre maison, donc bon. Eh, ouais, on verra. C'est parti. C'est pas grave. Alors, on avait attaqué l'ours. L'ours. Le loup, pardon. Ouais, y a pas de... Ah si, y a une aurore boréale, mais... Ça n'a pas l'air d'être vraiment... Oh, pardon. Ah, donc il peut directement l'éteindre et la ranger. On va la garder allumée. Je sais pas exactement s'ils ont peur des lampes. Ouais, il y a tout qui marche. Vous voulez qu'on aille faire un tour au barrage, vu qu'il y a tout qui est allumé? Oh oui. Est-ce que t'as peur de la lampe? Par contre, là, là, tu nous attaqueras pas normalement. On va test. Ouais. On est bon, on est bon. On va aller faire un petit tour au barrage. Histoire 2. Obligé fouillé. Okay. Juste histoire 2. On est d'accord? Voilà. On va la poser par terre à l'entrée. Toujours là, tout va bien. Voilà, bien, bien, bien. Très bien, ils peuvent pas rentrer. On va déposer les affaires quand on sera dans le barrage. On dira Amityville. Est-ce qu'on peut voir sans lampe? Ah. Huh. Ok. Il y a combien dedans? 0,44, 42. On peut tester. Ah, j'ai pas fouillé les tiroirs. Ah bon, c'est rare ça. C'est sympa avec tous les... Toutes les choses qui s'allument.
Bon, je pense pas qu'on va faire tout le barrage, hein, ça sert à rien, on n'a pas trouvé de lampe, il n'y a sûrement pas de lampe. Je pense pas que les lampes soient rajoutées comme ça. Par contre, ce serait plutôt sympathique. Ouais, si on trouve un ordinateur qu'on peut lire. Mais je pense pas qu'on va en trouver un. On pourrait descendre. Ça fout encore plus les boules avec les lumières qui clignotent comme ça. Allez, on se casse, on s'en va. On va descendre le long de la rivière. C'est un peu embêtant de faire ça. On va descendre le long de la rivière et on va avancer jusqu'au... comment ça s'appelle ? La cabane, là, au bord du lac. Alors, le problème, c'est que... Par où on passe ? J'ai envie de prendre une fusée, parce que les fusées, ça leur fait peur, en théorie. Donc, à la limite, je préfère utiliser ça. Alors, où on passe par le lac, donc qui est plutôt là-bas à gauche. Ou alors on fait les rails. Alors la bonne chose c'est que, au niveau des rails... Non, toi non. Au niveau des rails, il y a quelques bâtiments. Et combien il fait moins 16. On aurait pu faire réchauffer du café. Ah merde. Alors on va peut-être en profiter pour faire un peu de feu. Putain! Oh la vache! Une entorse à la cheville, je peux pas courir. Ah la vache! Le truc comme il a fait peur. Okay. On a encore envie, ça va. Non, il faut ça ou ça. Je crois qu'on en a. Ah non, 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 j'en ai pas fait. J'en ai pas fait. On peut en faire, mais j'en ai pas fait. On va faire un... On va faire un feu, on va faire un feu. Comme ça, on va pouvoir se réchauffer et on va pouvoir faire comment ça s'appelle ? Du café, mais du café chaud. Voilà. Donc on va faire ça. On va aller à l'autre emplacement, l'autre mobilhome. Non, on a quasiment pas perdu de vie, donc ça va. Ah, il fait beaucoup moins froid aussi, donc c'est bien. Ouais, on est bon. %, mais putain. Damn it. Il devrait faire une torche. Oh, t'es sérieux. Damn it. Ah la vache. %.
Après, on pourrait utiliser du kérosène et des allumettes en bois. Je devrais faire ça, en fait, parce qu'on en a tellement. On en a plus d'une centaine. On a plus d'une centaine. Mais bon, c'est les réflexes. C'est les réflexes de la survie en intrus, en fait. Donc bon. Comme ça. Donc le but là, c'est de faire un feu assez sympa qui nous réchauffe, de faire cuire le produit là pour se soigner, faire du comment ça s'appelle du café en plus. Perfect. Et après on devrait être bon. Okay, très bien. Peut-être un peu rajouter du feu, du bois. Bon, très bien, 7 minutes, 8 minutes, temps de cuisson. Ça. On va faire du thé aussi. 10 minutes, 9 minutes. Est-ce qu'on peut en rajouter? Ah non, on peut pas en faire plus. C'est bête, c'est bête. Voilà, on va boire du café parce que... Ou alors on dort peut-être, on dort un moment. Là on a 3 heures. Vous savez, histoire de... Histoire d'être au max en fait. On dort genre 2 heures. Ah oui, c'est vrai qu'on doit se soigner. Alors... Rouge. Voilà, très bien. Voilà, 3 heures, pardon. J'allais dire 3 minutes maintenant. Nous avons ça encore, on peut en faire. Et on va y aller. Enfin, on va aller dormir. Ah, je suis en train de boire. Oups. C'est pas grave. Donc 3 heures, on va faire. 6 heures, putain. Le feu aussi. Les feux aussi durent deux fois plus longtemps. Hein. Si vous l'avez pas remarqué. Dormir 4 heures pour être bon. Voilà, parfait. No max. Et maintenant, on y va. Maintenant, on y va. On va faire cuire ça. Et ça. Et on est bon. On a combien de poids? On a 36 kilos sur nous. C'est très bien. Est-ce qu'il nous faudrait un peu d'eau? Il nous faudrait peut-être un peu d'eau. Ah oui, il nous faudrait de l'eau quand même. Ah merde. Un litre. On a cuisine novice. Yes. Bouillie dans 30 minutes. Voilà, on a 2 litres.
boire. C'est parti, on y va. C'est un peu bordélique ce qu'on fait. Mais je me comprends. Voilà, on y va. Bon bah du coup, bah on passe pas par les rails. Vous voyez ce qu'on a fait? On a... Au lieu de faire 2 litres x 2, j'ai limité le temps, on a fait seulement 1 litre. Mais au final, on a récupéré quand même 2 litres d'eau, donc ça va, c'est bon. Le loup est mort. Faudrait qu'il ait peur et qu'on récupère du... Quoique... Ok, c'est bon. Non, on va l'allumer. Pardon. Ok, ça a l'air d'être bon. J'espère qu'il va pas revenir. Pourquoi je prends plusieurs petits steaks? C'est pour les mettre en appât en fait. Tout simplement pour les avoir en appât. Oh merde. Yes. Oh la vache. Ça va les bugs? Bah chauffement, ok. On est bon, on se casse. On va pas s'arrêter maintenant, on va continuer. J'ai réussi à remplir la jauge d'un coup en entier, donc du coup on n'a pas eu de blessure, rien. On a perdu un peu de vie, mais c'est pas trop grave. Mais du coup voilà, on avait déjà un steak sur nous. Là on a d'autres petits steaks de 0,5. Donc du coup, ça nous permettra d'esquiver les prochains, je pense. Bon, là, on passe par le chemin que j'aime pas vraiment, parce qu'il y a quand même beaucoup de loups. Il faudrait vraiment tomber sur une lampe, en fait. Il va pas vraiment... Est-ce qu'il va continuer ou pas? Parce qu'en fait, c'est notre chemin, là. J'ai peur. On a l'air d'être bon. Il faudrait bien aller fouiller cette cabane. On va y aller. Ok.
perfect. Toujours pas de fusil. Par contre, ça fait un peu mal aux yeux de regarder les objets avec flair. Il est passé où le... Okay. Il peut pas venir là normalement. Enfin, je crois. Ça dure pas trop longtemps là-bas. Hein. Faut pas. Vous voyez que là il est revenu quand même. Hein. Donc ça dure pas trop longtemps. Non plus. Pas très longtemps. Même. Par contre, le gros problème, c'est qu'il va toujours dans la mauvaise direction. Oh la vache, il s'en fout complètement en fait. Oh la vache. Qu'on soigne. Il faut qu'on se mette à l'abri aussi. On va se mettre là. Need some first aid. Ok, voilà. Le froid, c'est pas vraiment le problème, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Bandage. Bandage. Médoc. Et ça, ok. I gotta get some help. That didn't work. Why didn't that work? Quoi? Oh! Faut un désinfectant. Mais on en a normalement, non? Non, faut en créer, c'est ça? Oh putain. On en a pas. Ok, désinfectant là. C'est très bien. Et morsure, c'est ça, c'est deux. Vous voyez pourquoi je me suis mis là? Je sens que ça va mal finir, je sais pas pourquoi. Je suis un peu stressé. Voilà. Ok, il est parti. Normalement, ils vont toujours à l'opposé une fois qu'ils ont pris le morceau de viande. Ok, très bien.
Rivière Access Sud. Alors, maintenant, ce qu'on veut, parce que je crois qu'il me reste... On a un chien à droite, chien à gauche, à droite aussi. Ce qu'on veut, c'est aller dans les petites maisons. Les petites maisons, ils peuvent pas rentrer dedans. Ou alors, on va directement là. On peut aller directement là. Ouais, on va aller directement dans la grande zone. Par contre, avec le vent qui souffle comme ça... Ouais, ils sont 3. Oh, 4, ils sont... T'es sérieux? C'est parti. Pourquoi elle veut pas... Elle veut pas sprinter? J'ai un bug en fait. Elle veut pas sprinter? Ah, ça y est. J'avais un bug trop bizarre. Première fois que ça m'arrive. Ah, du coup, elle est fatiguée, là. On a perdu trop de temps. Si je meurs à cause de ça, je vais être énervé. On rentre. Et on mange un chocolat. On est encore en vie. J'ai jamais eu ce bug. Yes, on est bon. On est bon. On va prendre une tisane et on va dormir. 11h. 12h même. Voilà. Parfait. Eh ben... On l'a échappé belle, hein. Je sais pas trop ce qui s'est passé, en fait. Mais... on a eu un truc très très bizarre. Parce que vous savez, le shot là que je me suis mis... Ça permet d'avoir endurance infinie. Et même si elle est en surplus de poids, elle peut courir. Et là, vous avez vu, les pas, c'était trop tout saccadé. Enfin, ça marchait pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... mais voilà, là, on a vraiment failli y passer, par contre. Hein, pour un bug. Hein. Là, ça fait un peu peur, quand même. Bon. On est en pleine forme, on a récupéré de la vie parce qu'on a pris une tisane. On a dormi 12 heures, c'est bien, on est à fond, on est à fond. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir trouver des choses intéressantes. Ça, c'est un backer aussi, c'est pas très très intéressant. On n'a qu'à l'apprendre.
On a un sac de couchage qui est pas mal, on va le prendre. On va tout mettre par terre, au premier, au rez-de-chaussée. Ça. Ouh la vache, c'était très très limite. Ah, c'est pour dépecer les proies. On peut lire les livres. On va peut-être lire les livres aussi. Parce qu'on peut les lire dans la nuit, on peut les lire à tout moment, donc bon. Pourquoi pas le faire? De toute façon, on a plein de... de calories et tout ça. Alors. Je voudrais bien trouver une lampe quand même. On peut se permettre de gaspiller un peu. Vous voyez le temps de lire les livres et tout ça. Ça peut toujours nous aider si on fait des... si on découpe des carcasses. Genre comme ce qu'on a fait pour récupérer des morceaux de viande là. Par contre je crois qu'on est à court de morceaux de viande. Mais on a vu une carcasse pas loin de la maison. Donc on va devoir aller la découper parce que les appâts aident énormément. Hein. Ouais, on n'a plus rien. Ouais, les appâts aident énormément dans ces cas-là. J'aurais bien voulu trouver un fusil ou un truc pour me défendre, mais là... faut réparer nos vêtements aussi, sûrement. C'est un peu embêtant. On n'a aucun moyen de se défendre. Après on a des têtes de flèches, mais on n'a pas de bois pour faire des flèches ni faire un arc. Alors. On va poser les choses ici. Alors ça... fait tout, on a besoin que... on va regarder quoi. Ça on jette. On a 3 couteaux, pas besoin d'en avoir 3. Voilà. Très bien. On fait un peu notre petit chez nous, hein, on est d'accord. Hein. Donc on va passer genre 5 minutes à peu près à tout refaire. Vite fait, et après, après on continue. On a les vêtements à réparer. Ah, les moufles ont été cassés. Ah, merde. Ah, fait chier. Ouais, on a perdu les moufles dans le combat. Ouais, ça arrive. 30 minutes. Ça arrive, c'est chiant, mais bon, comme ça. On aurait dû garder des moufles sur nous. On n'a pas trouvé d'autres en plus. Non, on répare tout vite fait. Les moufs c'était bien parce que c'était quoi, 2 degrés quand même. C'est pas mal. On a trouvé des filets et des aiguilles, mais on a encore un autre kit de couture, donc ça va. Voilà, très bien. C'est pour ça que... toujours avoir plein de tissus sur soi. Enfin, pas plein, mais au moins une vingtaine, je dirais. Au moins une vingtaine. Ah oui, c'est vrai que la lampe... Oups.
J'ai un peu oublié la lampe. Et ces chaussures qu'il faut prendre et en faire du cuir. Désolé, alors si vous voyez rien, vous inquiétez pas, il n'y a pas grand chose. Je fais juste un peu le tri en fait de ce que j'ai mis par terre. Voilà, on est bon. Donc il faudrait, bon ça on peut rien y faire, il faut les recycler. Il y a les chaussures qu'on aussi je voudrais recycler pour récupérer le cuir. Il faudrait faire de l'eau. On va peut-être faire de l'eau. Ce serait que l'eau on n'en a pas. Des fois le... Ça a l'air de partir en fait. L'aurore boréale. Par contre le mieux ça serait... Ouais là ok. Je suis allé voir le chauffe-eau, il y a deux places en haut. Donc on va faire le feu en haut. 2 heures, tu te fous de moi. Ah l'aurore boréale a l'air de plus éclairer. C'est ça qui est bizarre. Les lampes elles... Ah ça y est c'est revenu. Ouais, ça y est, c'est revenu. On peut utiliser les purificateurs d'eau. Je crois que c'est un par litre. Juste pour aller plus vite en fait. Vous allez voir, je vais vous montrer. Pourquoi l'autre chaise c'est 2 heures pour 4 alors que là c'est 45 minutes pour 3? Alors j'ai pas cliqué sur la chaise, c'est quoi le bordel? Voilà. On peut utiliser le fire steel, c'est pas mal aussi. Pas vraiment quelque chose que je garde. Que j'utilise, pardon. Je le garde vraiment en dernier recours. Par exemple, sur le... Sur ma survie du week-end, je crois que Torres en a 2. Je crois, jamais utilisé encore. Ouais, je crois qu'on l'a encore jamais utilisé. Il fait bien jour hein, des fois avec la lumière. Come on, little fire. Come on, little fire. Donc on a failli encore mourir. Alors ça c'est la différence en fait quand on essaye d'explorer sans être préparé. Et quand on se prépare. Parce que vous avez vu, il s'est jamais produit autant de problèmes en fait. En survie. En mode intrus que je fais. Parce que... Putain, 3 heures quoi. 4 heures. C'est à chaque fois 1 heure ça, mais c'est énorme. Enfin, vous avez vu quoi, on n'a jamais eu autant de problèmes. Donc là, c'est dans 1 heure que c'est fini. On va lire un livre. Parce qu'on n'était pas prêt quoi, on n'était pas préparé. Là on l'a fait juste bouillir, c'est de l'eau sale qu'on a, impure. Alors maintenant ce qu'on peut faire c'est dans quoi les trucs ça. Une tablette traite 1 litre. Donc là on a 4. Donc on a 7 litres à faire. Ouais.
fait beaucoup à faire quand même. Ça fait un peu beaucoup. Ouais. Peut-être pas très rentable en fait. On va faire le reste comme ça. On va continuer à lire. Tada! On passe notre temps, on lit, tranquille. On a encore plein de barres chocolatées, ça va. Là, on va faire 2 heures. Voilà. Oh, I could eat anything right now. Ah. Plus d'aurore boréale. Oh, le feu, il s'éteint. Merde. Quel con. J'ai oublié le feu. J'avais oublié le feu, désolé. Oh mon dieu. Vous voyez, je fais pas très attention en fait aux choses en ce moment. C'est j'essaye d'aller vite et j'essaye d'explorer en même temps. Je me prépare pas trop. Il doit pas rester grand chose là. Il doit rester... Enfin non, ça dépend quand le feu s'éteint en fait. Perfect. Perfect. Très bien, on a 12 litres, donc ça suffit. Ça, on va les recycler. I can barely walk with this much gear. On va se refaire un peu. Ouais, on va créer des torches et tout ça. Raichi. Ah, ça. C'est bien. Et après, je pense qu'on va se balader un peu. Je sais pas trop où aller. On va faire les maisons. On va faire les petites maisons qui sont autour du lac. Je pense qu'on va faire ça. Je crois que c'est le mieux. Mais on va dormir, évidemment. On va dormir avant de partir. Man, all I can think about is food. On va pas manger encore. On va... Vu qu'on va dormir dans pas longtemps, on va se remettre sur pied. Par contre, un bandage, enfin deux bandages, on va créer des bandages. Voilà, on va créer... Attends, peut-être que... J'ai pas envie que ça brûle. Voilà, voilà. Du fil, des aiguilles. Enfin, on va faire un matériel de pêche. Alors, faisons un peu le récapitulatif. C'est bon, il y a encore 2 heures. 1 heure. Voilà, 2 heures. Ouais, c'est ça comme ça. Vu qu'on voit rien, je vais faire ça. On va remettre du fuel dans la lampe. Voilà.
Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des torches. Mais ça, on l'enlève. Comme ça, on va utiliser ces petits trucs là, à la place. Donc, créer une torche. Il nous faut du bâton. Ah merde, des bâtons, je viens juste de les brûler. Ah le con. Je vais juste d'en foutre au feu. Sans faire exprès. Voilà. Désolé, hein, je me... pas me perds, mais... je prends un peu mon temps. Ok. On va aller couper du... couper des morceaux de viande et on va aussi les faire cuire. Parce que avoir des morceaux de viande sur soi, c'est bien. Le problème, c'est que s'ils sont pas cuits... Je crois qu'on avait vu un cadavre là, non? Avant de passer. Ah, il était peut-être plus loin. Merde. Ah, il était plus loin. Parce que avoir de la viande crue sur nous, en fait, ça... permet au loup de nous détecter de plus loin. Ça, c'est un peu un problème. Pas grave. C'est pour ça que je voudrais le faire cuire. Y a pas un cadavre quelque part? Pas de corbeau. On pourrait aller à 1000 tonnes. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup d'aller à 1000 tonnes? On s'en va. Est-ce qu'il a peur de la torche? Oh wow. Elle balance vraiment pas loin les choses. Oh, je l'avais pas vu. Voilà. Tu t'avances bien, pourtant il y a de la lumière, mais tu t'avances bien, espèce de saloperie. Bon, maintenant on peut faire une torche. Voilà, très bien. Donc on a des torches à 100%. On a, voilà, 300%, une à 60. On a utilisé le... voilà, il nous reste encore un. Il nous en, doit en rester plus, normalement. Ouais. Les vêtements sont bons, il y a ça que je voudrais recycler. 1h15. Normalement, le feu devrait s'éteindre dans pas longtemps, donc je crois pas qu'il... chose à cuire. On n'a pas trouvé de morceaux de viande, c'est pas grave. On va recycler ça. Voilà, deux cuirs c'est vraiment cool. Deux cuirs, c'est vraiment vraiment bien. Pour une heure, ça vaut le coup. Donc on a 1, 3, 6, 7 et 4 là. Donc 7 et 4 c'est bien. On a 5 litres d'eau, on peut encore faire du café. On a encore plein de bonbons. On a ça. On peut lire 5 heures, ça fait trop 5 heures. C'est vrai qu'on a faim.
Le fusil, on commencera à lire les livres quand on en trouvera un. Si on en trouve un, évidemment. Si on en trouve un. On a toujours du matériel pour se soigner, si besoin. On a encore du tissu, on a ça. Là, on a récupéré ça, c'est cool. Ah tiens, pourquoi pas... Pourquoi pas en faire cuire? Ah, trop tard. De toute façon, on a pu en créer qu'un seul. Non, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on peut se déplacer. Je pense qu'on est, on peut se préparer, on peut partir. Ah, le couteau, on va l'aiguiser. Ah, elle commence à fatiguer à mort. Il y a plein de choses à faire. On a tellement d'objets de tous les côtés. Il y a plein de choses à faire. C'est abusé. J'ai pas l'habitude, moi, d'avoir autant de choses. Je vais voir un peu. Très bien. très bien. T'as plein de trucs. Cool, on va continuer à aiguiser le couteau. On va le mettre à 100%. Parce que lui, on va l'utiliser plusieurs fois. En plus, il nous a aidé pour le combat. Franchement, sans le couteau, je pense qu'on serait déjà mort. Je pense honnêtement qu'on serait déjà mort. Ah, 100%, c'est bien. I just need to close my eyes. Non, on va dormir. On a perdu un tout petit peu de vie, on n'a pas tout récupéré. Parce qu'elle était assoiffée, on est à 97%, c'est pas grave. Je pense qu'on va finir ça. 5 heures. Ouais. Ah, très bien. Comme ça, on n'a plus besoin du livre et on peut le brûler, jeter. Mais les carcasses, c'est intéressant. Les carcasses, c'est utile. C'est pour ça que je voulais finir de le lire. Est-ce qu'elle l'a automatiquement jeté le livre s'il est plus là? Ah, peut-être qu'elle l'a automatiquement jeté. C'est possible. Alors, est-ce qu'on est prêt à vadrouiller encore? On a ça. Je pense qu'on va faire le tour des cabanes, mais on n'a pas vraiment besoin de tout emmener. Enfin, qu'on est juste à 32 kilos, c'est pas grave. Le sac de couchage, on peut le laisser. Que je suis quand même plus confiant d'avoir un sac de couchage sur moi. On a plein d'eau. Enfin, plein de liquide à boire. Ah oui, ça c'est maintenant c'est passé en feu. Hein, c'est pour ça. Lui, celui-là, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Très bien. Bon, on va y aller. On va y aller. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit feu. minutes pour bouillir en fait un café et après on y va juste ça comme ça on aura chaud etc. Voilà, moi je pense qu'on va faire ça et après on y va. Donc on va faire toutes les petites cabanes qui sont autour du lac. Alors encore une fois, ça va pas être très facile parce qu'il y a beaucoup de loups. Bon, on va essayer de les esquiver plus ou moins, mais je promets rien. Il n'y a que 9 minutes. Ah, merde, je pensais que c'était 15 minutes, pas 9. Bûche calorifique, on va la garder quand même.
a pas du bois en plus, ouais, les chaises là. C'est trop bizarre. Comment c'est géré? Il y a une roue là. On peut pas. Ah oui, il faut des outils. D'accord. Conserveur recyclé. Pile de papier. Putain. Je vois rien moi aussi, hein. Moi non plus. Apparemment, j'ai oublié de regarder là. Okay. Ouais, non, c'est bon, y a rien. Ok, on est bon. Ok. On va refaire du feu. Comme j'ai dit. Et on va faire cuire... on va faire bouillir... deux trucs. Deux cafés. Voilà, ça se passe bien, ça se passe bien. C'est juste que c'est extrêmement dangereux, en fait, de survivre. C'est ça, le truc.